Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Paul Votre Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, parce que vous avez partagé, ok? Parce que vous avez, n'est-ce pas, partagé mes vidéos dans différents groupes de Facebook. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons continuer à développer, n'est-ce pas, un autre sujet aujourd'hui. Alors, pas un autre sujet, toujours le même sujet, mais nous allons développer, n'est-ce pas, un autre point. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu nous as donné la force, le courage pour partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, il mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles, amen. Et comme vous avez, n'est-ce pas, partagé, ok, vous avez fait des commentaires, nous allons continuer avec notre sujet, n'est-ce pas, qui est 5 conseils pour apprendre à maîtriser la colère. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, le premier conseil, c'était réfléchir aux conséquences de vos actes. Ok, réfléchir aux conséquences de vos actes. Lorsque nous sommes blessés par une situation ou une personne, il peut nous arriver de réagir instantanément sans penser aux conséquences de nos actes. Nous adoptons alors une attitude démesurée et tenons des propos abjects que nous finissons souvent par regretter. Lorsque la colère monte, il est important de prendre du recul sur la situation et de ne pas rester à la merci de ses sentiments. Y a-t-il vraiment lieu de s'énerver? Comme en passant par des situations difficiles, dans le but de nous tester face à ces épreuves, nous devons agir de façon sage. Il réfléchit de ne pas laisser la colère, la chair ou bien la colère prendre les dessus sur nous. Aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Waouh! Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous devons pardonner. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous devons pardonner. Il y a 3 raisons qui font qu'on doit pardonner. Le pardon est un acte d'obéissance à la parole. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de pardonner. Le pardon est un acte d'obéissance à la parole. Ça, c'est la première raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous devons pardonner. La seconde raison pour laquelle nous devons pardonner s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. La deuxième raison pour laquelle que nous devons pardonner, la seconde raison s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non. Est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez besoin, n'est-ce pas, le pardon de Dieu, ok, vous devez pardonner. Vous devez pardonner à vos frères. Ok? Lorsqu'il faut la offenser, ou besoin de pardonner. Pour qui ça? Ou même pour capable recevoir pardon, bon Dieu. La Bible dit ça clair. Il dit pardonne-nous. Comme nous aussi. Alors, dans la prière, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, nous demandons bon Dieu pour le pardonner, non? Parce que nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui ont offensés, non? Donc, la seconde raison s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Nous-mêmes, tout pour nous cacher, pardon, nous besoin pardonner. Ça, c'est la deuxième raison. Et enfin, le dernier argument très important, mais que l'on oublie souvent, est que le pardon est une source de liberté. Non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Le pardon est une source de liberté. Non pas, ok? Le pardon est une source de liberté, non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer du poids de la colère et de l'amertume. L'en pardonner, nous-mêmes, nous libérer. Peut-être non.
Yes. Les nous pas donné monde qui offensé non, nous même tonon libérer poids ça. Nous libérer poids colère et amertume là. Nous libérer qui pesait sous cœur non. Ça veut dire pardon bon pour nous. Nous souhaitons ensemble trois raisons qui fait nous devons pardonner. Première raison, le pardon est un acte d'obéissance à la parole. Ça c'est la première raison. La deuxième raison s'explique par le fait que le pardon est la condition sine qua non à ce que nous soyons nous-mêmes pardonnés. La troisième raison, pour terminer, le pardon est une source de liberté. Non pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer du poids de la colère et de l'amertume qui pèse sur notre cœur. L'en pardonner, nous libérer propre que non. Le proverbe 19, verset 11 nous rappelle ainsi que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Qui a de la sagesse est lent à la colère. Waouh! L'homme qui a de la sagesse, il dit, moun qui a sagesse là, il lent. Li lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Waouh! L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Si vous avez la possibilité de le faire, instaurez un dialogue avec la personne à qui vous êtes en conflit. La communication est la clé de toute bonne relation. La communication est la clé de toute bonne relation. C'est ça? Si vous avez la possibilité de le faire, instaurez un dialogue avec la personne. Ce qui est possible pour faire, instaurez un dialogue avec moun ou dans conflit. Avec moun, c'est clé. C'est clé et communication, c'est clé. Toute bonne relation. Communication, c'est clé. Toute bonne relation. Ou des problèmes avec zami ou avec madame ou petit tout qui ça lié. Communication, c'est clé. Toute bonne relation. Instaurer un dialogue avec la personne avec qui vous êtes en conflit. Ok? Donc, nous venons de voir, n'est-ce pas, le deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de pardonner et instaurer un dialogue. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.